Elle a Quoi, moitié. le... Attends, me dis pas. Tu aurais Le 18 ans, 4 le 4 février. février. On te fera tous une surprise. Enrique, tu sais, on met Enrique dans un cadeau. Laissez-le tranquille. Désolé, Enrique. Non, mais Enrique, en plus, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est l'histoire là, du mec qui l'a imité, j'étais tellement de rire. Ouais, elle est mineure. Comment quelqu'un avec qui je parlerai? Bon, dès qu'elle a 18 ans. Qui? Enfin, je parle à Enrique. Ils sont que c'est pas forcément très bien entendu. Ouais, parce que non, mais tu sais, le truc, c'est que c'est dommage parce qu'au début, vous êtes bien entendu. Ouais. Mais avec l'enfermement et tout ça, bon, c'est jamais. Non, mais c'est pour ça qu'il faut voir comment ça se passe à l'extérieur. On peut jamais dire jamais. Non. Avec le recul, faudra parler des choses. Mais par contre, remettre un sac, c'est. C'est limite le choix. Bon. Elle a vidé la poubelle quand même? Qui était là depuis 2 jours. Ah, je te jure, j'ai changé Enzo. Ah, tu l'as changé? C'est moi qui ai voulu le changer. Ah, j'ai souffert. Oh, m'étonne. T'as dû voir l'horreur. J'ai horreur de changer les bébés, hein. C'est horrible ça. Moi, j'ai fait une fois. Une fois aussi. J'ai tourné de l'œil. Ah, je te jure, j'ai cru que j'allais vomir. En plus, le jour-là, il était vraiment bien. Bébé, il était ballonné. Hein. Il avait tout lâché là. Je crois que la couche, elle avait même pas survécu. Le petit, ça fait un raz-de-marée. Non, le petit, je lui ai enlevé le baby gros et sans la couche, il y avait déjà tout sur le côté. C'est chiant, oh, Enzo, tu me prépares une surprise. C'est vrai que c'est. Elles sont vraiment bigues, ces taches. C'est du dentifrice. Je pensais exactement la même chose à l'instant, là. Tu sais, je regardais, je fais putain. Arrête, c'est encore pire. Le lavabo, ça met du dentifrice partout. Y'a matin ? Si. Si. Je pense que si vous n'aviez pas l'esprit tordu, ce serait pas ambigu. C'est de notre faune maintenant, si elle a du sperme sur le pull. Bah, appelons un chat. Hein. T'appelles ça comment? Tu parleras à Colgate, hein. Tu diras où tu veux dentifrice. Merci de. Hé, qu'est-ce qui passe là? Qu'est-ce qui passe là? Mange! Non, je peux pas. Je peux plus, j'ai envie de vomir. Comme m'a dit 10 000 fois mon père. Il y a des centaines et des centaines de milliers de gens. Je sais bien. Qui mon papa, il m'a dit ça toute ma vie. Tu as de quoi? De quoi? Mon père, il m'a dit ça toute ma vie. Il t'a dit quoi? Qu'il y a des millions de gens qui crèvent de faim et que j'ai jamais réussi à finir une assiette. Hein? Moi, c'est mes yeux qui m'ont dit. Quoi? Pourtant, tu n'arrêtes pas de bouffer ici. Ça, c'est les yeux qui m'ont dit. En même temps, à l'extérieur, non. Quoi. Donc, ici, ça va mieux. Énormément en France. Mais énormément en France, c'est clair. On s'imagine pas à quel point. Les Restos du Cœur? Moi, les Restos du Cœur, c'est super bien, mais il y a plein d'associations qui aident. Oh, Marco, il est génial. Ouais, on dirait qu'il vient, mais je sais pas. On a déjà vu ici, lui. Mais oui, mais il était prof l'année dernière ici, c'est pour ça. Ah. On dirait qu'il débarque du Nil. Je sais pas. Il... Mais même cette année, j'ai déjà vu en face de moi ce mec, je sais plus non, où. Non, je sais pas. Il était sur Gladiateur. Oui, pareil. J'ai une fatigue internationale. Mais va dormir. Mais dormir, moi, je veux bien. Si j'y arrivais, ce sera encore mieux. Donc je vais aller essayer. On l'a couru. Hein? Je l'ai pas, non. Attends, faut que j'essaie. Là, toi, là. Là. Ça fait ça, déjà. Là. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. T'as fini la chanson? Tu vas avoir ton texte sous les yeux, normalement. Je sais pas du tout. Plus. Et merde. Plus. Quoi? Il y a de la moutarde là quelque part, ouais. Regarde là. Ensuite, Sophia. Plus. Oui. Non, mais vas-y, finis. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Non, mais finis.
C'est bon, je peux pas finir maintenant que tu m'as... Il fait exprès, hein. Non. Je devrais le savoir au bout de 2 mois. Hein. Ça fait 2 mois que tu fais ça. Dis-moi, tu vas regarder les paroles demain? Non, je les ai plus, je les ai apprises. Si on dit tous qu'on les regarde, ils ne nous sanctionneront pas. Bah, on l'a dit à Louvain et je dis, il a dit, ok. Donc regarder les paroles? Ouais. Dans la fin de la cour, alors. Après, il y a Sofiane. Ça fait... Après, il y a toi. Non, c'est... Non. Que ça. Ah. Ouais, hein. C'est pas mal, quand même, hein. Oui. Je pourrais faire chorégraphe, moi. Après, il y a Mathieu que ça monte. Nanana. T'as fini comme ça. Après, il y a John. On a un petit problème avec ton micro. Est-ce que tu pourrais le mettre juste devant la porte, s'il te plaît? Alissa va venir le chercher. Merci. De rien. Est-ce qu'ils doivent être nazes aussi, les pauvres? Bon, en gros, non, je l'ai, mais alors en gros. Je sais pas comment ils se relèvent. C'est, en plus, ils sont toujours sympas, quoi, franchement. Malgré tout ce qu'on leur fait, enfin, des fois, on met pas les micros et tout, et ils doivent être morts, ils sont toujours là, nous dire bonjour, machin. À la sortie, je te jure, même pas un merci qu'il faut leur dire. C'est pas... Courage qu'ils ont, quoi, parce que, franchement, ça va pas toujours être... Je sais pas de quelle partie tu parles. Bah, là-bas. Ah, merde, en parlant de micro, moi, j'avais perdu la boule du micro. Et Gilou devait me la remplacer, mais il a dû oublier. Ça dérange pas, la je ne l'ai pas. La porte. Non. C'est cette porte-là, là, où je dois mettre mon micro? Oui, sur celle-là. Vas-y. C'est, franchement, que les bras qui portaient, les mains qui travaillaient, se sont armés contre elles. Je rêverais d'aller voir Gladiateur. Vas-y, mais... Si on nous entend. Et Arnaud Gidouin, je l'aurais écouté parler des heures. T'en as pensé quoi d'Arnaud Gidouin? Moi, franchement, j'ai trouvé qu'il était... Tu trouvais que c'était l'un des meilleurs... Ouais, exact. Enfin, l'un des meilleurs. Bah, c'est vraiment c'était le plus c'était le plus intéressant des artistes qui est venu nous voir, quoi. Oui, qui est venu nous voir dans sa façon de nous parler. Dans sa façon de nous parler, il est vraiment... Enfin, moi, pour ma part, c'est celui qui m'a le plus appris des choses, quoi.